moment où vous passez l'antenne, la première partie de ce concert n'est pas terminée. Un concert qui est en deux parties. Première partie consacrée à la formation de l'art et Coryell. La deuxième qui se déroulera, je ne sais exactement à quelle heure, peut-être à partir de 23h, 23h10, sera consacrée à la formation de... Pour le moment, nous sommes juste à la fin de la première partie consacrée à un orchestre qui est dirigé par un guitariste tout à fait exceptionnel, un très grand technicien de l'instrument, un musicien très inspiré que nous avions découvert il y a quelques années. C'était à la salle Pégal il y a 3 ou 4 ans avec l'orchestre de Gary Burton, c'est le guitariste Larry Coryell. Larry Coryell, ce soir, se présente avec deux excellents musiciens, mais qui n'appartiennent peut-être pas tout à fait à la famille du jazz. Il s'agit d'un contrebassiste électrique, Jack Bruce, et à la batterie, il y a Mitch Mitchell, deux musiciens qui viennent donc de la pop music. Vous vous souvenez peut-être de Jack Bruce, je crois l'avoir dit cet après-midi, est un musicien qui a travaillé avec Miles Davis, mais c'est un pur musicien pop. Et pour le moment, eh bien, je vous laisse entendre cette musique qui a attiré beaucoup, beaucoup plus de monde que nous le pensions. Ici, les arènes, j'appelle ça des arènes parce que c'est vraiment ça, la forme des arènes, sont pleines d'un non-public très jeune et qui apprécie énormément cette musique. Une musique donc à mi-chemin parfaitement entre le vrai jazz, car Larry Coryell a joué de très jolies balades tout à l'heure et un blues, et puis cette musique pop qui n'est peut-être pas dans la tradition rythmique du jazz, mais qui a énormément de force et de scène. Je me tais, vous écoutez.
wasn't my idea. Wasn't my idea, honest. You know, their idea. Thank you very much. We'll see you a little later. D'un musicien doué d'une très riche sensibilité. Nous venons d'entendre Larry Coryell interprétant d'une manière très personnelle la Pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel. Changement tout à fait de décor, puisque maintenant le trio va jouer un thème de guitariste Jack Bruce intitulé The Beggar's Chant, et l'interprète, le chanteur, sera justement Jack Bruce. Nous retrouvons la pop musique. La sonorisation du festival est effectuée par les équipes techniques. Thank you.
Et c'est sur cette interprétation de Larry Coryell, du trio de Larry Coryell en direct de Nice, que s'achève cette première retransmission du Festival de Nice. Nous nous retrouverons demain à 18h30, de 18h30 à 19h, où André Francis et Lucien Malson seront au rendez-vous pour nous donner des échos de la seconde partie que nous n'avons pas entendue aujourd'hui, celle qui a permis la présentation du quartet de Pharoah Sanders. Alors, à demain, bonsoir. C'était Festival de...
HCKHH Blues, tel était le titre du morceau qui vient d'être. Thank you.
C'était par Larry Coryell à la guitare avec Jacques Bruce à la contrebasse et Mitch Mitchell à la batterie, The Great Escape.